C'est puissant. Bless you for it. Est-ce que tu peux donner gloire à Dieu? Can you give God the glory? Si il y a des frères qui viennent en retard, if there are brothers that will come late, service de protocole prière de leur communiquer cela, qu'ils passent et qu'ils donnent. Ushers, please tell them, communicate to them that they can come and give it. Ensemble, so together, nous nous tenons debout, let's stand on our feet, et nous recevons and receive Pasteur Jean Toto Chabani. Gloire au Seigneur, tu le fais bien, continue à acclamer Jésus. Glory to the Lord, you do it well while you're giving an ovation. Est-ce que to tu him? Peux acclamer le Maître? Can you put your hands together for the Master? Le Roi de Rois. The King of Kings. Le Seigneur, Seigneur. The Lord of Lords. Tu le fais bien. You do it well. C'est son jour. It is day today. Il est mort, il est ressuscité. He died and he rose again. Il est assis à la droite du Père. He's seated at the right hand of the Father. En train d'intercéder pour toi et moi. Interceding for you and I. Il a garanti notre éternité. He guaranteed our eternity. Nous ne sommes pas les gens égarés, perdus. Nous avons un espoir, une espérance. We are no longer lost people. We have a story of hope. Après que nous quitterons cette tente, after we leave this place, nous avons une espérance pour la vie éternelle. We have hope of eternal life. Grâce à son œuvre salvatrice de la croix. Thanks for his work of et salvation at the cross. Et je veux que tu l'acclames encore. And I want you to put your hands together for him. Comme tu l'as jamais fait. Like you never did it before. Avec des cris de joie. Give shouts of joy. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Père Dieu tout puissant, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Receive the glory, the praise and worship. Tu t'es fait homme pour venir nous chercher. You made yourself flesh to come and look for us. Merci pour l'amour que tu as manifesté. Thank you for the love you've shown. Pour nous les humains. For us humans. On reconnaît la valeur d'une chose. We acknowledge the value of a thing. Par rapport au prix qu'on paye. According to the price we pay for je it. Je reconnais ma valeur. I acknowledge my value. Par rapport au prix que Dieu m'a racheté. According to the price that you redeemed me with. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Car l'argent ne pouvait pas m'acheter. Because money could not redeem me. Ne pouvait pas me racheter. Could not redeem me. Et Dieu a pris ce qui est de précieux qu'il and avait. God took whatever he had that was precious. Pour me racheter. To redeem et me. Et je comprends que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. And I understand that I have value. Même in si les hommes me méprisent. Even you, if les tout puissants El Shaddai me valorisent. Despise me. Et je remercie ces grands dieux. And I thank je les loue God. Encore. I praise him je again. Le bénis. I bless him. Au nom de Jésus the de name Nazareth, of Jesus of Nazareth. Le fils de Dieu vivant. Son of the living God. Nous avons ainsi prié. We have prayed. Amen. Amen. S'il vous plaît. Reprenez vos places dans la présence. Please be seated in the presence du très haut. Of the Most High. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui c'est la Pâque. Today is Easter Day. Je vais vous parler de la Pâque. I'll speak to you about the Passover. Comme nous avons fini avec l'élargissement, bien que l'élargissement aussi est dans la Pâque. We finished with enlargement, but enlargement is into the Passover. Je vais vous parler de la Pâque. I'll speak to you about the Passover. En vous prévenant. And let me give you si quelqu'un some est malade, advice. If anybody is sick, qu'il élève sa foi, let them raise their faith. Parce que partout on parle de la Pâque, because whenever we speak about Passover, le maître se manifeste, the master shows up pour guérir le malade, to heal the sick. Alors si vous êtes malade, so if you are sick, et foi en Dieu, have faith in God, parce qu'il te sera fait selon ta foi, because it will be done to you according to your faith. Amen. 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 Alors, une fois encore de plus, once more, nous voulons honorer nos parents spirituels. We'd like to honor our spiritual Papa parents. Seba et Maman Sophie. Papa Seba et Maman Sophie. Merci beaucoup. Thank you. Pour votre amour et votre confiance sur ma personne. For your love and your trust towards me. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. And thank you for everything you do for us. On ne pourra pas vous le rendre. We cannot give it back.
Mais nous sommes très reconnaissants. But we are very grateful. Est-ce que l'église peut acclamer le parent? Can the whole church celebrate our parents? Est-ce qu'on peut le faire, église? Can we Est-ce celebrate? Que l'église peut le faire? L'église Can peut we le celebrate faire? Our parents? Est-ce que l'église peut le faire? Can les the retours? Church celebrate our les parents? Retours? Est-ce que l'église peut le faire? Can the church do it? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien? Can we put our hands together for the Lord? Tu le fais très bien. You do it well. Tu le fais très bien. You do it well. Tu le fais très bien. You do it well. Dans cette attitude, in this attitude, nous restons debout. Let us remain standing. S'il vous plaît, pour faire la lecture de la parole. Please to proceed to reading the word of God. Et après, vous allez reprendre vos places. Afterwards, you'll be seated. Dans la présence du Seigneur. In the presence of the Lord. Amen. Amen. Prenons le premier texte dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Let's take our first scripture in first book of Corinthians, chapter 15:45. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Si vous avez trouvé, if you found it, merci de le mettre pour nous. Thank you for putting it up on the screen media. 1 Corinthians 15, verse 45. Merci. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthians 15. Alors toutes les versions, que ce soit Louis II, en tout cas, 3 ou 4 versions disent la même chose. 3 or 4 versions speak about the same thing. C'est pourquoi il est écrit, and so it is written, le premier homme, the first man, Adam, Adam, devint une âme vivante, was made a living soul, le dernier Adam. The last Adam. On n'a pas dit le deuxième Adam, mais le dernier. They didn't say the second, but the last. Si c'est votre Bible, soulignez le dernier Adam. If it's your Bible, underline the last Adam. Est devenu un esprit vivifiant. Was made a quickening spirit. Jean chapitre 10, verset 10, nous lirons 3 textes. John 10:10, we read 3 scriptures today. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Et nous lirons aussi Ézéchiel 28. And we read Ezekiel 28. À partir du verset 14. From verse 14. Après, vous allez reprendre vos places. Afterwards, we'll all be seated. Gloire au Seigneur. Glory to God. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. The thief comes not but to steal, kill and destroy. Moi. I. Moi là, c'est qui? C'est. Who is I? C'est le Seigneur. It's the Lord. Moi, je suis venu afin que les brebis aient that they may have la vie et qu'elles soient life dans l'abondance. And they may be in abundance. On peut tout dire sur la venue de Jésus sur la terre. We can say everything about Jesus coming on earth. Mais lui-même, but himself, quand il parle when de lui, he speaks about himself, pourquoi il est venu, why he came, il dit qu'il est venu pour donner he says he came to give la vie life. Et que cette vie-là soit and that life abondant. Should be abundant. Prenons le dernier texte, Ézéchiel chapitre 28. Let's take the last scripture, Ezekiel 28. Ézéchiel chapitre 28. Ezekiel 28. À partir du verset 14. From verse 14. Vous êtes avec moi? Are you with me? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. You are an anointed cherub that was je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu marchais au milieu de pierres intercellantes. I have set you and you were upon the holy mountain of God and you walked down upon the midst of the stones of fire. Verset 15. Verse 5. Tu étais, 15. Tu as été intègre dans tes voies. You was made perfect in your ways. On parle de Satan. This tu is as Satan. Été intègre dans tes voies. You was perfect in your ways. Depuis le jour où tu fus créé, from the day that you were created, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, until iniquity was found, les jours dont la Bible parle ici, this day that the Bible speaks about, le jour où tu, le péché fut trouvé en toi, on the day that sin was found in you, ce n'était pas un lundi, ce n'était pas un mardi, was not a Monday or a Tuesday, parce que les jours n'étaient pas encore créés because dans Genèse 1. Days were not created yet in Genesis 1. Dans le jour dont la Bible parle, c'est le moment. Ce n'est pas un temps déterminé. C'est le moment the day où that the le Bible péché se trouve en lui. A moment where the sin was found in him. Et la Bible dit, je t'ai précipité de la montagne, and the Bible verset says 16, that, 16 de la montagne des dieux, et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, I made you disappear, you covered cherub, du milieu de pierres étincelantes. From the midst of the stones of fire. Verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Your heart was lifted up because of your beauty. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. You have corrupted your wisdom by je the reason te jette of par terre. I will cast you je te livre en spectacle au roi. And lay you before the kings. Par la multitude de tes iniquités,
by the multitude of your iniquity, par l'injustice de ton commerce, and unrighteousness of your business, tu as profané tes sanctuaires. You, tu as profané, verset 18. 18, right. You bring forth a fire upon the midst of thee, I will devour thee. Souligné, tu as profané tes sanctuaires. You have by the iniquity of your traffic. Et reprenez vos places, s'il vous plaît, dans Let's la présence. Let's take our seats back. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, on acclame encore la parole. May the Lord bless us. We put our hands together for the word. Je vais essayer par la grâce de Dieu de vous faire balader dans la parole du Seigneur. By the grace of God, I'll walk you through the word of God. Je sais qu'il y a certaines personnes, certains amis qui m'appellent docteur. I know there are some friends that call me a doctor. Mais je ne le suis pas. But I am not such. Je suis un prophète. I'm just a prophet. Mais je suis un passionné des Saintes Écritures. But passionate by the Holy Scriptures. J'aime lire la Bible. I love reading the Bible. En ces jours, si je ne m'abuse, and on this day, if I'm not mistaken, j'ai lu le Nouveau Testament plus ou moins 100 fois. I've read the New Testament 100 times. De Matthieu jusqu'à Apocalypse. From Matthew to Revelation. Et là, je suis au 16e verset d'Apocalypse. Now I'm into Quand the 16th chapter je retourne of Revelation. Sur Matthieu. I'll go back to Matthew. J'aime la parole. De Dieu. I love the word of God. Parce que la parole de Dieu, elle est tout ce que nous pouvons avoir tant que chrétiens. Because the word of God is everything we can have as Christians. Et si vous aimez la parole de Dieu, and if you love the word vous ne serez pas emporté par tous les vents de doctrine. You'll never be taken by all winds vous of doctrine. Serez un chrétien fondé dans les Saintes Écritures. You'll be a Christian founded et in the personne Holy ne pourra vous ébranler. And no one can shake you et up. Vous devez aimer cette parole, elle doit habiter abondamment en vous. You have to love this word and it has to live abundantly in you. Nous voulons aujourd'hui par la grâce de Dieu parler de la Pâque. Today, by the grace of God, we'd like to speak about the Passover. Nous voulons parler de la notion de la Pâque. The notion of Passover. La Pâque. Passover. Il faut comprendre que nous avons deux sortes de Pâques. Understand, we have two kinds of Passover. Nous avons la Pâque, la fête des Juifs. We have the Passover as the feast of Jews. Et nous avons la Pâque chrétienne. And we have the Christian Passover. Et la Pâque chrétienne, c'est le Christ qui a été immolé pour nous. The Christian Passover is the Christ that was killed for us. Et l'apôtre Paul dit Jésus-Christ est notre Pâque. And Paul says that Christ is our Passover. Et la Pâque des Hébreux a commencé depuis leur sortie de l'Égypte. And the Hebrews Passover started when they exited Egypt. Il y avait une condition avant que la Pâque puisse se faire. There was a condition before Passover could happen. Il fallait trouver un agneau. They needed to find a lamb qui était sans tache. That was spotless. Et avant de le tuer. And before they C'est killed pour cela nous allons comprendre plus tard. So we'll understand that later on. Le Christ avant qu'il soit tué. Before Christ was killed. On devait regarder et ne pas voir un défaut en lui avant qu'il soit sacrifié. They were supposed to look at him and see no default in him before he was et sacrificed. Et c'est Pilate qui le fera. And Pilate did this. Il va présenter Jésus en disant en latin, voici et homo, donc voici l'homme. And he said to the people, here's the man. Voici l'homme. Here's the man. Je ne vois en lui aucun défaut. I see in him no default. Parce qu'il ne pouvait pas être tué avec un défaut. He couldn't be killed with a blame. Il fallait déjà faire le constat qu'il était sans défaut. They had to acknowledge that he was blameless. Pour que le sacrifice soit suprême. For the sacrifice to be ultimate. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Therefore, my beloved in pourquoi the Lord. Pourquoi le Christ est venu sur la terre? Why did Christ come on earth? Lui-même, il est dit, il est venu pour donner la vie. Himself, he said that he came to give life. Si il est venu donner la vie, so if he came to give life, ça veut dire qu'il y avait It means death was there. On ne peut pas venir donner la vie you là où il y a la vie. You can't come and give life where there's il life est venu already. Donner la vie parce qu'il y avait la mort. He came to give life because death Et was comment there. La mort est arrivée? Now, how did death come C'est about? Ça la question que nous devons nous poser. That's the question we need comment to ask ourselves. La mort est entrée? How did death come in? Nous remontons dans Ézéchiel chapitre 28. We see in Ezekiel chapter 28. Dieu a créé. God created. A créé une créature. He created a creature. Qu'il a appelé Lucifer. That he called Lucifer. Le mot Lucifer ne se trouve pas dans la Bible. The name Lucifer is not in the Bible. En termes Lucifer, Lucifer, mais c'est appelé plutôt astre brillant. But it is called the shining star. Et Dieu a créé cette entité. And God created that entity. Dieu l'a donné assez de pouvoir. And gave it enough power. Bien qu'il n'était pas la première créature de Dieu. Even though he wasn't the first creature mais Dieu of God. L'a créé pour qu'il s'occupe de l'adoration. But God created him to take care of worship. Et il a été créé. He was created. Comme il était le maître des cultes au ciel. Since he was the master of services in heaven. La Bible dit qu'il a souillé ses sanctuaires. The Bible says that he defiled the sanctuary. Il avait plusieurs sanctuaires, il s'en occupait. He was taking care of many sanctuaries. Et il a souillé ces sanctuaires-là. And he defiled them. Parce qu'il a commis la plus
grosse erreur. Because he made a great mistake. Que beaucoup d'entre nous commettons. That many of us also que do. Que nous soyons pasteur, bishop, ketchup. Whether we are pastors, bishops. Archbishop. Archbishop. Nous commettons la même erreur. We do the same l'erreur mistake. L'erreur de vouloir devenir une autre personne. The mistake of trying to become Satan somebody else. Satan n'a pas volé Dieu. Satan did not steal en from fait, God. En fait, Lucifer ou astre brillant. Lucifer as a shining il star. Il n'a pas commis l'impudicité. Was not in il fornication. Il n'a pas commis l'adultère. Was not in adultery. Son péché c'est de vouloir devenir autre chose que Dieu voulait qu'il soit. His sin was trying to become something else than la what God intended him to. La plus grosse erreur dans la vie, c'est de vouloir toujours devenir ce que Dieu ne veut pas que tu sois. The greatest mistake in life is for you to become what God did not intend you to be. Dieu sait pourquoi il t'a créé de cette manière-là. God knows why he made you this way. Dieu sait pourquoi il veut que tu sois ce God que tu es. God knows why he wants you to ne be the way you are. Ne change jamais d'identité. Never change your identity. La plupart des gens qui ont voulu devenir une autre personne, tried to become someone else. Ils ont commencé à jouer un rôle. Started playing a role. Et ils ont détruit leur vie. And destroyed their lives. La chose la plus difficile dans la vie, the most difficult thing in life, c'est de vouloir jouer un rôle. Is to try to play a role. Parce que quand on veut jouer un rôle, because when you want to play a role, il faut se déguiser. You need to disguise. Il faut chercher autre chose. You need to look for something else. Pour que tu deviennes comme cette personne-là. To become like that character. L'erreur de Lucifer. The mistake of Lucifer. Il a voulu devenir comme Dieu. He wanted to become like God. Et il a commencé à parler. And he started speaking. Ésaïe chapitre 14 verset 12. Isaiah 14:12. Je me lèverai. I will rise. Je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu. I'll put my throne upon the throne of God. Je serai semblable au très haut. And I will be alike to the most high. Son problème, il voulait devenir comme Dieu. His problem is that he wanted to et be like God. Et quand Dieu a vu cela, and while God saw Dieu l'a précipité. God took him down. Il n'était plus chérubin protecteur. He was no longer the protecting cherub. Il a été précipité. He was et il est tombé en bas. And he fell down. C'est très très important de comprendre let's cela. Be, it's important et to quand understand. Il est jeté sur la terre, and when he's thrown on earth, Dieu a dit, God said, je vais créer un homme I will create a human qui sera semblable à moi. That will be like me. En fait, quand Dieu te crée toi et moi, in fact, when God was creating you il veut and faire me, du mal au diable. He wanted to harm parce the que devil le diable because the devil voulait devenir comme Dieu. Wanted to be like God. Et Dieu a dit, and God said, je vais créer une espèce I will create a species à partir de la poussière de la terre from the dust of the earth, qui sera comme moi, that will be like me, et je ferai mal au diable. And I will hurt the devil. En fait, toi et moi, so you and I, nous sommes victimes des combats de Dieu et Satan. We are a victim of the warfare between God and Satan. Et Satan n'était and you were created l'image est semblable de Dieu. And the image and the et resemblance Satan of God. Jamais and never will the que devil toi, tu sois toujours à l'image de Dieu. Want to, you to be at the resemblance of il God. Il cherchera par tous les moyens he will seek all ways pour détruire l'image de Dieu que to tu destroy es the image of God that parce you are qu'il est jaloux de because toi. He's jealous because of en you. En fait, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. The devil is not God's enemy. Il n'a pas le poids he has no pour weight être l'ennemi de Dieu. To be God's enemy. Le diable est l'ennemi de l'homme. The devil is the human's enemy. C'est pour cela la Bible dit that's what the Bible says. Satan, votre adversaire. Satan, your adversary. Et même quand il y avait le combat au ciel, and even when there was warfare in Dieu the heavens, n'a pas combattu. God did not fight. C'est Michael qui a combattu. Michael fought. La Bible dit une guerre au ciel. The Bible said there was war in the heavens. Michael combattit avec ses anges. Michael fought with his angels. Contre les dragons anciens. Against the ancient dragon. Et Dieu n'entre pas dans ce combat. And God did not get into that warfare. Jésus l'explique quand il vient sur la terre. Jesus explains when he comes il on earth. Il dit je voyais comment Satan était jeté. He says how I saw the devil pas combattu. He did not fight. Il a vu seulement comment Satan he just saw how the devil was thrown. Maintenant Satan est jeté. Now the devil is thrown sur la terre. On earth. Et Dieu va créer and Adam. God created Adam. Et quand Dieu crée Adam, and when God made Adam, Dieu dit à Adam. God said to Adam. Suivez-moi parce que je vais commencer à établir des choses. Follow me because Dieu I'll start establishing. God said to tu Adam. Tu peux manger. You may eat tous les fruits of all the fruits des arbres qui sont dans le jardin of the trees in the garden. Mais le jour tu mangeras ces fruits but on the day you'll eat of that fruit le bien et du mal the good of evil c'est ce jour-là que tu mourras dis après moi tu mourras you will die on that day dis après moi tu mourras say after me you will die on that dis day dis encore bien tu mourras say after me you'll die on that Dieu, day God c'est lui qui a parlé de la mort he's the one who speak about mais death mais la mort n'était pas active but death was not active la chose qui allait donner la force à la mort the thing that was supposed to strengthen c'était death le jour où Adam allait pécher was on the day that Adam would la sin la mort était là death was there mais Dieu avait dit but God had tu said, mourras seulement you only die si tu manges if you eat le fruit of that fruit frères et sœurs écoutez très bien sisters listen et Adam
Adam va commettre une grosse erreur avec sa femme. Made a great mistake with his wife. Ils vont manger. They ate le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Of the fruit of the tree ils of the knowledge of good and evil. Ils ont activé la mort. And activated death. Et quand ils ont activé la mort, and when they activated death, ils ont voulu aller manger l'arbre de vie. They tried to go and eat of the tree of Dieu life. Dieu les a empêchés. God prevented them. Pourquoi Dieu les empêche? Why did God stop them? Parce que si ils mangeaient l'arbre de vie, because if they ate of the tree of avec life, le péché, with sin, Dieu ne pouvait plus les sauver. God could no longer save them. Tout péché dans l'éternité, all sin in eternity, devient un péché éternel. Becomes an eternal sin. Toute mauvaise chose que vous faites dans l'éternité, any evil thing that you do in devient eternity, une conséquence éternelle. Becomes an eternal c'est consequence. C'est pour cela, les démons et les diables, that's why demons and the devil, ne seront jamais pardonnés, will never be forgiven, parce qu'ils ont commis un péché dans l'éternité. Because they committed a sin in et eternity. Et cela est devenu une conséquence éternelle. And it became an eternal consequence. Mais sur la terre, but on earth, lorsque Adam a mangé, when Adam ate, Dieu a dit empêchez-les. God said prevent de manger them from eating l'arbre de la vie from the tree of life, parce qu'ils vont vivre éternellement, because they will live eternally avec le mal, with evil. Il faut qu'ils commencent à mourir, they have to start dying, pour que je puisse les restaurer, so that I may restore them. Maintenant c'est Adam qui a péché. Now Adam sinned. Ce n'est pas tout le monde qui a péché. It's not everyone that mais sinned. Comment le péché s'étend sur tous les but êtres how come sin is extended Romains to all humans? Chapitre 5 verset 12, Romans 5, 12. La Bible dit c'est pas un seul homme Adam the says that it was through que one le péché man, Adam, est entré dans le monde, that sin came into the world. Et la mort s'est étendue sur tous les êtres humains. And death extended to all humans. Pourquoi? Why? Parce que Adam, because Adam était le premier Adam, was the first Adam, la première personne, the first person de la lignée humaine, in the human lineage. Ça veut dire que tous les êtres humains, meaning all humans, sont nés par Adam, were born through Adam. Et l'acte que Adam avait commis, and the action that Adam had performed, a entraîné tous les hommes, took all dans ce péché-là. In the sin. Même les bébés qui naissent aujourd'hui, even babies that are born today, ils naissent avec le péché adamique, are born with the que nous appelons that we call que le péché originel. The original sin. Tous les êtres humains, all human beings, sont nés avec ce péché. Are born with that sin. Et tous les êtres humains, and all human beings, sont morts depuis leur naissance. Die on the day that they are born. Sont morts depuis leur naissance. They die on the day they are born. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Je disais que tous les êtres humains, all human beings, sont morts, are dead, depuis leur naissance, from the day they were born, à cause des péchés adamiques, because of the Adam sin. Et bien maintenant, écoutez mes bien-aimés. Now listen, beloved. Lorsque Adam a péché, when Adam sinned, la mort est entrée dans le monde. Death came into the world. Depuis ce temps-là, from that time, la mort était cette étendue. Verset 12 de Romains 5. Death extended, like Romans 5:12 says it. La mort dont je suis en train de parler ici, death I'm speaking about ce here, n'est pas d'abord la mort physique. It's not physical death. C'est la mort spirituelle. It's spiritual death. Qui veut simplement dire, meaning, l'homme était déconnecté de Dieu. Humans were disconnected from God. L'homme ne pouvait plus savoir ce que Dieu pense. Humans could no longer know what God l'homme was thinking. L'homme n'était plus en relation avec Dieu. They had no relationship with God et anymore. Et Dieu a commencé à envoyer des prophètes. And God started sending. Les prophètes sont venus. Prophets, they came. Il a envoyé toutes formes de prophètes. He sent all kinds of prophets. Pour essayer de réconcilier l'homme avec Dieu. Try and reconcile man il a établi God. Des sacrificateurs and he made priests comme des médiateurs as middlemen pour écouter l'homme to listen to man et apporter les doléances auprès de Dieu and bring requests to prendre God. La réponse auprès de Dieu take answers from God et ramener cela à l'homme and bring them to humans. Malgré tout cela despite all that, ça ne marchait pas it didn't work. Et Dieu a pris la décision God took the decision then. Il a dit ce que je vais faire he said, what I will do. Je vais envoyer I will send. Je vais cette fois-ci envoyer this time around I will send. Je vais envoyer I will send mon fils my son. Mais attention but careful Dieu God il n'envoie pas un autre Adam does not send another Adam. La Bible dit c'était le premier Adam. The Bible says it was the first Adam. En principe, Dieu devait envoyer un deuxième Adam. Normally, he was supposed to send the second Adam. Mais Dieu n'envoie pas le deuxième but Adam. But God doesn't do it. Il envoie le dernier Adam. He sends the last parce Adam. Parce que le deuxième Adam n'existe pas. Because the last Adam does not exist. Il n'y a que le premier. Only the first. Et le dernier. And the last. Le mot dernier en hébreu. The word last in Hebrew. Veut aussi dire original. Also means original. Donc Dieu when avait God envoyé la copie Adam. Sent a copy. Parce que le Adam. Premier Adam, because the first Adam, il a été créé, was created, selon l'image de Dieu, according to God's image. C'est une photocopie, it was a copy, qu'on a tiré à partir de l'origine, that was taken from the original, qui était Dieu, that was God. Et lorsque Satan a foissé le premier Adam, and when the devils, il a poussé le premier the first, Adam, he
destroyed the first Adam péché, and pushed him Dieu to sin. N'a pas pleuré. God did not cry. Il disait l'original. He said, I still have the original. J'ai pas tiré d'autres photocopies. I can have other copies. C'est pour cela. That's why. Il dit cette fois-ci. He says this time je around. Je ne vais plus envoyer la photocopie. I'll no longer send the photocopy. Je vais envoyer le dernier Adam. I will send the last Adam. L'Adam original. The original Adam. Il viendra. He will come. Pour ôter la mort. To take death away. Et donner la vie. And give life. Voilà pourquoi le Christ est venu. That's why the Christ came. Quand L'Adam original, so the original Adam, pour nous montrer, to show us, nous qui étions les copies, we were copies, mortes, dead copies. Si vous voulez gagner, if you want to win, ne restez plus dans la photocopie. Don't remain in the photocopy. Venez dans l'original. Come into the original. Et vous allez vivre. Then you live. Maintenant, quand il vient, now when he comes, il ne peut pas donner la vie. He cannot give life. Aïe 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 aïe. Est-ce que je peux prêcher? Can I preach? Suivez-moi très bien. Listen to me carefully. Pour ne pas avoir une mauvaise interprétation. Not to have a bad interpretation. Suivez-moi très bien. Just listen to me je carefully. Je vais parler calmement. I'll speak slowly. Jésus. Jesus. N'était pas venu d'abord. Did not come first. D'abord. First. Pour mourir. To die. À la croix. On the cross. Parce que. Because. Il le dit. He said. Je suis d'abord venu donner la vie. First, I came to give life. Jésus, vous savez qu'il a commencé à parler de sa mort un peu plus tard. Jesus started speaking about his death later on. Est-ce que vous le savez? Do you know il this? Ne parlait pas de sa mort. He never spoke about his death il before. Il a parlé de sa mort à quel moment? He spoke about his death lorsque when? Pierre a dit, when Peter said, tu es le Christ. You are the Christ. Il a dit, la Bible dit, dorénavant. The Bible says that from il a commencé à leur dire, he started telling il faut them, que je meure. I have to die. Il faut que je souffre. I have to même suffer. Les disciples ne comprenaient pas even cela. Disciples didn't toi le Messie, comment tu vas mourir? You're the Messiah, how can you mais die? Il parlait trop de la vie. But he spoke about life a lot. J'ai dit qu'il était venu donner la vie. I said he came to give life. Mais le problème, but the problem, c'est qu'il ne pouvait pas donner la vie is that he could not give life sans mourir. Without dying. Parce que la vie sort de la mort. Because life saves from death. Je vais m'expliquer. Let me explain. Regardez. Look. Mon but ici. My purpose here. Pourquoi je suis à Lubumbashi? Why am I in Lubumbashi? Pourquoi moi je suis à Lubumbashi? Why am I here in Lubumbashi? Je suis venu faire quoi? I came to prêcher. To preach. N'est-ce pas? Right. Mais j'ai pris l'avion. But I took a plane. Est-ce que mon but était de prendre l'avion? Was my purpose to be in the plane? Mais l'avion. But the plane était la condition nécessaire. Was the necessary condition. Pour que j'arrive ici pour prêcher. For me to get here and preach. Jésus est venu donner la vie. Jesus came to give life. Mais la mort. But death. Était la condition nécessaire. Was the necessary condition. Pour qu'il donne la vie. For him to give life. Si il ne mourait pas. If he didn't il die. Il ne pouvait pas donner la vie. Then he could not give parce life. Parce que la vie. Because life. Elle devait sortir par sa mort. Was supposed to come out of parce his death. La mort d'Adam. Because Adam's death. Quelqu'un devait le payer par sa vie. Somebody was supposed to pay for it with et his life. Et c'est par la vie du Christ. And it is by the love of Christ. Que la mort d'Adam a été payée. That Adam's life was paid for. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Quelqu'un me dit amen bien. Give me a good amen. Alors comme il devait mourir. Since he was supposed to die. On doit l'arrêter. He was arrested and killed. Est-ce que je peux vous dire une chose que je vais développer tout à l'heure? Let me tell you something that I'll develop later on. Vous savez la manière dont Jésus a été conçu? The way Jesus was conceived. Il ne pouvait pas mourir. He couldn't die normally. Jésus pouvait vivre jusqu'en 2023. He could have lived up to 2023. Et être jeune. And be young still. Mais je vais vous montrer comment Dieu a fait qu'il soit mort. But I'll show you how God made it that he could die. Il ne pouvait pas mourir. Nobody couldn't die. Il avait la vie de Dieu en lui. He had God's life in him. Mais comment Dieu va créer un mécanisme pour qu'il meure? But how did God create a mechanism for him to die? Et on va étudier cela. We will study this. On arrête le Seigneur. They arrest the Lord. Lorsque le Seigneur est arrêté. When the Lord is arrested. Voici ce que la Bible dit. Here's what the Bible says. La Bible est en train de nous dire. The Bible tells us. Lorsqu'on l'arrête. When they arrest him. Il faut que Jésus devienne péché. Jesus needed to become sin pour qu'il puisse mourir. For him to die. Parce que s'il ne devient pas péché, because if he doesn't become sin, il ne peut pas mourir. He cannot die. La force de la mort, the strength of death, c'est le péché. Is sin. Si il n'y a pas de péché en lui, when there's no sin in him, il ne peut pas mourir. Then he cannot die. La chose qui tuait les hommes, the thing that killed c'était humans, le péché. Was sin. Vous comprenez? You understand? Alors Dieu now God devait faire de lui péché par péché. To make him sin. Jésus n'était pas péché. Jesus was not sin. Mais il est devenu péché. But he became it. Le péché and sin. C'est
l'état où l'homme était devenu. The status that humans had gotten to. Lui-même n'a pas commis le péché. Himself did not commit mais any Dieu sin. A fait de lui un péché. But God made him a sin. Et quand le péché entre en lui, and when sin got into il him, devient péché. He became sin. La mort est activée en lui. Death was activated in him. Parce que n'oubliez pas le premier Adam. Because don't forget that the first Adam. Dieu lui avait dit. God told him. Pour que tu meurs. For you to die. Il faut d'abord commettre le péché. First you have to commit a donc sin. Si Adam n'avait pas péché, so if Adam had not sinned, Adam n'allait pas mourir. Adam would not die. Le dernier Adam aussi. The last Adam too. Il ne pouvait pas mourir. Could not die. Si il n'était pas devenu péché. If he had not become or a sin. Comme Jésus ne péchait pas. Since Jesus could not commit a sin. Il pouvait vivre jusqu'à maintenant. He could have lived up to now. Et Dieu pour écourter son existence. And for God to shorten his life. Dieu fait de lui un péché. God made him a sin. Et quand le péché entre en lui. And when sin got in him. Il devient péché. He became sin. Et il y a la dégénérescence. And then there was degenerescence. Et il pouvait mourir. And now he could die. Est-ce que je parle à quelqu'un? Can I speak to someone? C'est lui qui n'a point connu le péché. The Bible said that the one that did not commit Dieu a sin. L'a fait devenir péché. God made him a sin. Enfin que nous. So that us. Nous devenions. We could become. La justice de Dieu. God's justice. Quelqu'un me dit amen bien. Can you give me a good amen? Un amen pour que je te prêche. An amen for me to preach to quelqu'un you. Quelqu'un me dit un amen bien pour que je le prêche. Give me a good amen so that I may preach to you. Donc. So. C'est le péché. It is sin. Qui va donner la force à la mort. That gives strength to death. Pour tuer Jésus. To kill Jesus. Alors c'est le péché. Now sin. Le péché. Sin. Qui entre. Comes in. Et qui va faire entrer la mort. And causes death to come in. Il est écrit dans Romains 6, 23. It is written in Romans 6, 23. Le salaire du péché. The salary of sin. Le salaire du péché, c'est the quoi? The reward of sin, what is it? C'est la mort. It's death. Amen. Amen. Le salaire du péché. The reward of sin. C'est quoi? What is it? C'est la mort. It's death. Ok. Yes. Le salaire du péché. The reward of sin. C'est la mort. It's death. Ok. Yes. Donc, si now, on a payé le salaire de la mort. If they pay a reward of death. Qu'est-ce qui ne va plus exister? What will no longer exist? Si plutôt on a payé le salaire du péché, if they paid the reward or salary of qu'est-ce qui sin, n'existera plus? What will no longer exist? Parce que le salaire du péché, because the salary of sin, c'est quoi? Is la mort. Death. Bon, maintenant, si le salaire du péché a été payé, now, if the salary of death was paid, il y aura quoi de l'autre côté? What will happen on the other il y aura side? La vie. There will be life. Parce que le salaire a été payé, because the salary was paid. Donc, comme le salaire du péché a été payé, since it has been paid, les chrétiens ne peuvent plus vivre la mort. Christians can no longer go ils through doivent vivre maintenant la vie. They must experience life. C'est pour cela Jésus a dit. That's what Jesus said. Je suis venu donner la vie. I came to give life. Mais pour donner la vie, but to give life, il y avait un salaire. There was a salary. De péché. Of sin. Qui donnait la mort. That brought death. Il faut payer le salaire. You need to pay the pour reward. Que tu enlèves la mort. To take away death. Et il devait payer le salaire. And he was supposed to pay. Par sa propre vie. By his own life. Pour que sa vie à lui. So that his life. Vienne dans notre vie. May come in ours. Et que la mort. And that death. Soit englouti. Be taken down. Oh. Wow. Okay. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me donne un bon amen. Give me a good amen. Maintenant, on l'arrête. Now they arrest him. Parce qu'il faut qu'il soit mort. Because he's supposed to be killed. Il soit tué. He must be killed. On va l'arrêter. They arrest him. Mais lorsqu'on l'arrête Jésus. But when they arrest Jesus. Il est tellement populaire. He's so popular. Vous savez, même en droit. You know, even in lorsque law. Lorsque vous voulez arrêter quelqu'un de populaire. When you want to arrest a popular person. Il faut faire très attention. You must be careful. Même dans l'organisation de procès. Even in the organization of ça a trial. Ça peut créer des attroupements graves dans le pays. You can have lots of people gathered in the country. Jésus, but to arrest Jesus. Ils devaient trouver des prétextes. They had to find an excuse. La première des choses. The first thing. Ils ont dit que Jésus était une menace étatique. They said Jesus was a threat to the state. Parce que les Romains. Because Romans. Ne blaguaient pas avec cela. Were not playing with that. Ils ont accusé Jésus. They accused Jesus. Menace étatique. He is a threat to the state. Comment ça il est menace étatique? How come he's a threat to the il state? Il disait. He was saying. Que vous ne devez pas payer les impôts. You should not pay for on l'accuse d'abord chez les Romains. They accused him at Romans. Deuxièmement. Secondly, on présente Jésus comme un incohérent. They show him as an incoherent person. Un fou. A foolish person. Parce qu'il disait because he was saying qu'il va détruire le temple. That he would destroy the temple. Et le reconstruire en 3 jours. And rebuild it in 3 days. Donc ils ont mis plusieurs accusations. So they put a lot of accusations. Qui devait énerver les Juifs. That was supposed to parmi ces upset the Jews. Parmi ces accusations. And among those accusations. Qui énervait les Juifs. That upset the Jews. Il y avait une. There was one. Jésus se disait qu'il était Dieu. Jesus said he was God. Or les Juifs ne pardonnent pas cela. But the Jews don't forgive that. Un homme peut être Dieu. A human cannot be God. Même les Juifs. Even the Jews. Ils n'appellent pas Dieu Dieu. They don't call God God. Ils l'appellent toujours Hachem. They call him Hachem. Parce qu'ils ont peur. Because they are afraid. Pas citer le nom de Dieu en vain. To
tell the name of God in vain. Et quand quelqu'un s'est dit qu'il est Dieu, and when somebody says they are God, cette personne doit être tuée. That person must be killed. Et ils ont présenté ces accusations. So they presented those accusations. Et mes chers frères et sœurs, my brothers and sisters, lorsqu'ils ont présenté ces accusations, when they presented those accusations, on a arrêté Jésus. They arrested Jesus. Et Jésus a été arrêté. And Jesus was arrested. Am I speaking to somebody lorsqu'on now? A arrêté Jésus, when they arrested him, frères et sœurs, brothers and sisters, Jésus fut arrêté. Jesus was arrested. Ah, yeah. Il fut arrêté. He was arrested. Je suis en train de parler à quelqu'un. I'm speaking to somebody. Jésus fut arrêté. He was arrested. Et lorsqu'il sera arrêté, and when they arrest him, la première des choses qui va arriver, the first thing that happens, le maître sera arrêté dans le jardin. The master is arrested in a garden. Pourquoi il doit être arrêté dans le jardin? Why arrested in a garden? Suivez-moi pour que je te prêche. Listen now, preach. Pourquoi to il doit être arrêté dans le why jardin? Why arrested in a garden? Parce que le premier Adam, because the first Adam a péché dans le jardin. Sinned in a garden. C'est là où il est sorti de la volonté de Dieu. That's where he got out of the will of God. Il a désobéi Dieu. He disobeyed God. Dans le jardin. In the garden. Et Jésus aussi. And Jesus also. Lorsqu'on l'arrête dans le jardin, when they arrest him in the garden, Satan le pousse à désobéir à Dieu. Satan pushes him to disobey il God. Il a dit Père, éloigne cette coupe. He said, God, take this cup mais away from me. Mais après il dit non Seigneur. But after he said, Lord, que ta volonté soit faite. Your will be done. Là où Adam avait désobéi dans le jardin, when Adam disobeyed in the garden, lui il va obéir dans le jardin. He obeyed in the garden. Et on va l'arrêter dans le jardin. And they arrest him in the garden. Et c'est là où le sang de Jésus commence à couler. That's where God's Jesus blood started pour nous donner la vie. To give us life. Mais j'aimerais vous dire, but I would like to tell le sang de Jésus Jesus blood n'a pas commencé à couler dans le jardin. Did not start spilling ni in the à la garden, croix. Not even on la the cross. Première fois où le sang de Jésus the a coulé, first time his blood was spilled, c'était 8 jours après sa naissance. Was 8 days before after his birth. Lorsqu'il était circoncis, when he was circumcised, son sang avait coulé. His blood was mais spilled. Ce sang ne pouvait pas sauver l'homme. But that blood could not c'était save le sang de la souffrance. It was the blood of suffering, le péché de l'homme of the human qui devait sin sauver l'homme. That was supposed il to devait save endurer him cette souffrance. He was supposed to endure that et lorsqu'on pain l'arrête, and when they arrest him, je vais arriver. I will get there. Lorsqu'on a arrêté le Seigneur, the Lord, et bien frères et sœurs, brothers and sisters, regardez ce qui va se passer. Look at what happened. On arrête cet homme, they arrest this man, qui n'avait jamais commis le péché, that had never committed any sin, qui a aidé les gens, qui a aidé les gens, that had helped people. Lorsqu'on va l'arrêter, when they arrest him, et bien chers frères et sœurs, brothers and sisters, la première des choses, the first thing, ses propres disciples l'abandonnent. His own disciples went away from him. Ils ont abandonné Jésus. They forsook Jesus. Il n'y a rien de pire, there's nothing worse, comme la trahison. Like treason. Il comptait ses disciples. Il comptait sur ses he disciples. Counted on them, les disciples l'ont abandonné. But they forsook him. Même Pierre l'a nié. Even Peter il souffrait him déjà de la trahison. He already suffered from betrayal. Et cette trahison, c'était pour nous sauver toi et moi. That betrayal was meant to save you and mais us. Pas seulement, il a connu la trahison. Not only did he experience lorsqu'on betrayal, l'a arrêté, when they arrested il devait him, passer à la croix. He was supposed to go to the cross. À la croix, to the cross, là où il devait mourir. Where he was supposed to vous die. Savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, you know, beloved, à l'étang de Perse, at the time of Persians, ce sont des Perses qui ont commencé à tuer les gens à la croix. Persians started killing people on crosses. Et les Romains l'ont perfectionné. And Romans perfected it. Les Perses, Persians, ils tuaient d'abord les gens dans des noyades. First killed people by drowning après them. Dans des lapidations. And stoning people. Ça ne marchait pas. It didn't work. Ils ont installé des brûlures de bains d'huile. And then they started putting people ils in hot oil. L'huile. They would heat et oil. Et ils jetaient l'homme vivant. And throw people mais cela alive ne suffisait pas. It wasn't enough. Et ils ont installé and so they la mort de la croix. The cross parce qu'ils for the trouvaient death que c'était pénible. Because they found it was painful. Et lorsque les Perses étaient vaincus par les Romains, and when the Persians were overcome les by Romans, Romains ont perfectionné la mort à la croix. Romans perfected the death la mort on the cross. À la croix the death on the était cross une humiliation. Was a humiliation. Ce n'est pas Jésus qui a commencé à mourir à la croix. It wasn't Jesus that died first on mais the cross. Il a donné une autre configuration. But he gave another configuration de la mort à la croix. Of death on the cross. Il a donné cela. He gave that une autre direction. Another direction. Mais avant qu'il arrive à la croix, but before he got to the cross, on va l'arrêter. They arrested him. On va le mettre dans ce qu'on appelait pilori. They put him on what they call a pillar. C'était un poteau. It was a pillar. Où on attachait quelqu'un. Where you could bind somebody. Avant de le frapper. Before you hit him. Parce que Jésus ne pouvait pas mourir. Because Jesus could not die. Si il ne consommait pas la totalité de nos péchés. If he didn't consume the totality of our sins. On l'a attaché. So they bind him. Et ils ont pris un fouet. And they took a whip. Le fouet qu'on appelait flagrum. A whip that they called flagrum. Il y a des débats théologiques. And those are theological terms. Certains théologiens disent. Some theologians say. Le flagrum a été fabriqué. The flagrum was made. Avec la peau de caïman. With the skin of a crocodile. Et tout au bout il y avait des clous. And at the end they had nails. Une autre école dit ceci. And another school says c'était this. Fait avec les os de mouton. It was done with the bones of sheep. Et mélangé avec des lanières en cuir. And they mixed it with. Peu importe. Whatever. Mais les Romains étaient des spécialistes de fouets. Were specialists in whips. Quand ils vous frappaient 40 coups moins 1.
when they gave you 14 strokes of whips, they were big people. Ils savaient comment frapper. They knew how to strike. Ils ont attaché Jésus. They bound Jesus sur le pilori. Upon the pillar. Et c'était un jeune homme de 33 ans. It was only a 33 years old. Il n'avait rien fait de mal. He did nothing wrong. Il est venu juste pour l'humanité. He only came for humanity. On l'a attaché. They bound him. Imaginez le flagrum. Now imagine that flagrum. Avec la peau de caïma. Done with the skin of crocodile. Tout au bout, il y a des clous. With nails at the end. Lorsque on frappait. When they struck him. Les clous entraient dans the la peau. The nails got into his skin. Et quand ils tiraient. And when they took it out. La peau partait en lambeaux. His skin was glistening. Et cette vision là. And that vision. Esaïe l'avait vu. Isaiah had dans seen it. Esaïe 53. In Isaiah 53. Il dit, quel est cet homme de douleur? And he said, what is this man of suffering? Lorsqu'il dormait. When he was sleeping. Dieu lui montrait la croix. God showed him the cross. Esaïe ne pouvait pas le décrire. Isaiah could not describe il dit, it. C'est un homme de douleur. He said, he's a man of suffering. Habitué à la souffrance. Used to suffering. Il était comme un agneau. He was like a lamb. Qui tendait vers la boucherie. That was taken to slaughter. Ce qu'il voyait. What he saw. Il ne pouvait pas le décrire. He could not describe it. Et les soldats romains. And the Roman soldiers. Donnaient le premier coup. Struck the first strike. Ça prit la peau de Jésus. And he took away Jesus' skin. Les clous se sont accrochés. And the nails remained lorsqu'on in his flesh. Tiré, when they took it out. La peau est partie. The flesh. Malgré cela. And despite il that, ne mourrait pas. He couldn't die. Il pouvait arrêter. He could stop. Mais il a dit si j'arrête. But they said if I stop. Nous aurons un problème de la Pâque. We'll have a problem with si the Pâque. J'arrête. If I stop. Tu ne seras pas sauvé. You won't be saved. Si j'arrête. If I stop. Je ne serai pas sauvé. I won't be stopped. Si il arrêtait. If they stop. Vous et moi. You and I. Nous ne pouvons pas être sauvés. Could not be saved. On l'a frappé. So they struck him. Le corps était déchiré. His body was torn. Le corps était déchiqueté. His body was torn. Si tu pouvais comprendre. If you could understand. Que Jésus est mort pour toi. That Jesus died for on t'invitera pas de venir à l'église. Nobody would force si you to tu savais ce qu'il avait fait. If you knew what comment he did, il s'est sacrifié. How he sacrificed pour toi et moi. For you and tu I. Vas t'accrocher à lui. You would tu ne vas pas le décevoir. You would not tu vas le servir. You would serve him. Parce qu'il a supporté because he suffered le péché. Sin. La souffrance. Suffering. Pour toi et moi. For you and I. Je pensais que tu allais acclamer. I thought you put your hands together. I thought que tu allais acclamer pour le Seigneur. You would put your hands together for the Lord. Je vous prie de comprendre. Please understand. Que ce jeune homme n'avait que 33 ans. This young man was only 33 years old. Son père pouvait aussi éloigner la mort. His father could take that death away. Mais il a dit à son père toutefois. But he said to his father anyway. Pas ma volonté mais la tienne. Not my will but let your will be done. Père, si tu ne le fais pas. Father, if you don't do it. Ces gens seront perdus éternellement. These people will be lost forever. Je veux que tu élèves ta main pendant 2 secondes. Dis merci Jésus. I want you to raise your hand for 2 seconds and dis merci say, thank Jésus you, Jesus. Pour l'œuvre de la croix. Thank you Jesus for the work of the cross. Juste pour 2 minutes dis merci only Jésus pour l'œuvre de la croix. Say Jesus thank you for the work of the cross. C'était dur il pouvait abandonner. He was God but he could leave that task. Si j'abandonne. If I leave it, ces gens ne seront pas sauvés. These people won't be saved. C'est pour cela même quand tu pêches, il va te chercher. That's why even when you sin, he will il come for you. Il connaît le prix qu'il a payé pour he toi. He knows the price he paid for you. Il va te chercher même dans la boue. He will seek for you even in the mud. Il dit tu ne sais pas ce que j'ai fait pour toi. And say you don't know what I did for je you. Je ne vais pas te laisser. I won't leave you. Je vais te récupérer. I will take you back. Reprenez vos places, je vais finir. Let's take your seats and we'll finish. On le fouette. They struck him. Et comme cela n'était pas fini. And if as if it wasn't enough. Comme cela n'était pas fini. As if it wasn't enough. Le monsieur est fouetté. He was stricken. On le fait porter une croix. They made him carry a cross. Qui pesait 113 kilos. That was weighing 113 kg. Je ne sais pas la chair la pèse combien. I don't know how heavy is this pulpit. Un sac de ciment pèse combien à propos 50 kilos. What is the weight of 50. A cement bag? 50 kg? On l'a fait porter deux sacs de kilos et demi. 2.5 bags of cement on him. Malgré les blessures qu'il avait. Despite and in spite of all the wounds he had. Et il prend via dolorosa. And then he took via dolorosa. Le chemin de la douleur. The way of suffering. Il porte sa croix. Carrying that cross. Très difficile. Very difficult. Il dit, je ne vais pas abandonner. He said, I won't give up. La Pâque doit être accomplie. The Passover must be done. Il marche avec ça. Walking with it. Il dit, c'est pour donner la vie. It is si je ne meurs pas, la vie ne sera pas donnée. If I don't die, my life won't be given. Il se charge de sa croix. And he took that cross c'était on tellement him. Lourd à un moment. It was so heavy that at a time, il est tombé. He fell down. Simon de Cyrène. Simon of Cyrene. Un Africain. An African. A pris cette croix. Took the cross. On l'a forcé. And forced him. Et cet acte qu'il va poser. And that action. De
deux de ses deux enfants seront sauvés plus tard. Two of his children were saved later on. Alexandre et Rufus. Alexander and Rufus. C'est écrit dans le livre de Marc. It is written in the book of Mark. C'était les enfants de Simon. Those were de Cyrène. Sons of Simon of Cyrene. Cet acte qu'il va poser. That action. Dieu accordera une place à ses enfants dans l'église primitive. God gave them a place in the first church, primitive church. And then he got to the cross. À la montagne de Golgotha. To the mountain of Golgotha. Vous imaginez, il a été déjà fouetté. Imagine they whipped him. Toute la peau était en lambeaux. All his skin was torn up. Il y avait du sang. There was blood spilling. Mais quand il arrive là-bas, but when he got there, cela ne suffisait pas. It, as if it wasn't enough. On doit encore poser des actes méchants. They also had wicked actions on him. Et parmi ces actes méchants, and among those wicked actions, regardez ce qui va se passer. Let's look at what happened. La Bible dit. Bible says. On va clouer ses doigts. They nailed his hands. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Lorsqu'on va clouer ses doigts. When they nailed his hands. Lorsqu'on enfonce les clous, les médecins sont là. Doctors are here when they force the nail through his hands. Sur la paume de ses mains. Into the palm of his hands. J'ai fait une étude. I made a study. Je vis que le poignet de ses mains était en train de s'endommager parce que le clou était de 6 cm. I saw that the nail was 6 cm long, so the palms of his hands were damaged. Et j'ai regardé. So I saw. Les médecins m'ont dit ceci. Doctor said to me this. Lorsque on met le clou sur le doigt d'une personne. When they put a nail through the palm of a person. Les nerfs médians du bras. The median nerve of the arm et de l'avant-bras and the forearm souffrira d'une douleur qu'on appelle des douleurs causalgiques. Le médecin sont là. Will suffer des douleurs qu'on appelle des douleurs causalgiques. A pain called ce sont pain des douleurs causalgie. Où tu sens comme si tu es en train d'être brûlé dans tout ton corps. It's pain that feels like fire in your body. Et il a accepté cela. And he accepted that. À la main. And the, pourquoi at the on devait le clouer à la main? What were they supposed to nail et le sang devait couler? And blood was supposed to be spilled? Pour bénir le fruit de nos mains. To bless the fruit of our hands. Il a accepté cela. He accepted it. Quelqu'un me dit amen bien. Somebody give me a good amen. On l'a fouetté au dos. They whipped his back. Parce que cela était important. Because it was important. Le sang devait couler. Blood was supposed to be spilled. Parce que la Bible dit la domination devait se reposer sur ses épaules. Because the Bible said et that rule was supposed to be on his shoulders. Il devait nous redonner la domination dans ce monde. And give us dominion in the world. Et comme cela ne suffisait pas. And as if it wasn't enough. Je veux que vous le sachiez. I want you to know this. La couronne d'épines. The crown of n'était pas fabriquée sur sa taille. Was not made on his on of his size. On le forçait à porter une couronne qui avait des épines. Down on his head. Et lorsqu'on le forçait. And when they forced it down. En ce moment, il faisait des hémorragie interne et externe. He was having internal les and external hemorrhage. And his nerves was mais tout cela ne pouvait damaged. Pas le tuer. But all that did et not kill il n'a pas voulu abandonner. And he didn't give up. Et en ce moment-là, and at that time, il restaure notre intelligence. He restores our intelligence. Tout ce que le diable a enlevé et a volé. Anything the devil stole. Et cela ne suffisait pas. As if it wasn't enough. On a cloué ses pieds. They nailed his feet. Il n'a pas abandonné. He didn't give up. Parce qu'il savait. Because he knew. Il fallait qu'il nous donne. That he was supposed to la give us. Possession avec nos pieds. Possession et le sang devait couler par là. And blood was oh, frère, si tu pouvais savoir. Brothers, savoir plutôt ce que Christ a fait. What Christ had done. Les diables ne peuvent rien. Les démons de l'enfer ne peuvent rien. Les sorciers de votre famille ne peuvent rien. Devant Jésus. Before Jesus. Parce qu'il a vaincu. Because he overcame. Il a supporté. He supported toutes tes douleurs. Suffered all toutes pain, tes souffrances. All your suffering. Pour te sauver toi et moi. To save you and I. Je bénis ce grand Dieu. I bless this great qui God m'a aimé le premier. That loved me first. Il m'a aimé avant que je l'aime. He loved me before maintenant, I loved him. Mes péchés. Despite my sins. Il m'a toujours aimé. He always loved et il m'a me. Dit, je ne t'abandonnerai jamais. And he said to me, I'll never forsake je you. Ne laisserai pas. I'll never forsake you. Parce que je paye un prix pour toi. Because I paid the price for you. Et il arrive là à la croix. And got to the cross. Comme cela ne suffisait pas. As if it wasn't enough. Vous imaginez. Imagine. Lorsqu'on vous cloue. They nail you. Il y a le sang et l'eau, la sueur qui coule. Blood and sweat are flowing. Vous avez envie de gratter. You feel like scratching. Mais il ne pouvait même pas le faire. But he couldn't even do it. On a voulu lui donner comment, la boisson mélangée avec le vinaigre. They wanted to give him a beverage mixed with vinegar. Pour atténuer sa douleur. To calm his pain. Il a dit non, je ne bois pas. He said I won't drink je vais sentir cette douleur jusqu'à la lit. I have to feel that pain to the end. Pour que le peuple soit sauvé. For the people to be saved. Et comme cela ne suffisait as pas. As if it wasn't enough. Quelqu'un vient avec une flèche. Somebody came with a spear. Il va poignarder and ici.
stabbed him on the side. Regardez toutes ces souffrances que ce jeune homme de 33 ans est en train de vivre. See all the suffering that this 33-year-old young man is going through. Juste parce qu'il voulait nous donner la vie. Only to give us life. Il est en train de payer le salaire du péché. Paying the salary of sin. Pour ôter la mort. To take death away. Et donner la vie. And give life. Et en ce moment-là, and at that time, il arrive à la croix. He got to the cross. Et quand il arrive à la croix, when he got to the cross, Jésus va dire, Jesus said, mon Dieu, my God, mon Dieu, my God, pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken me? Vous savez que de toute son existence, you know that all his life, il n'a jamais appelé son père Dieu. He never called his father God. Vous ne trouverez pas un verset où you Jésus est en train d'appeler son père Dieu. Where Jesus called his father God. La seule fois il le fait à la croix. It was the only time on the cross that he did it. Il disait toujours mon père agit, moi aussi j'agis. He always said my father works and I work. Ma vie a vu le père. Whoever saw me saw the father. Moi et le père nous sommes un. I and the father are one. Père, enfin qu'il sache. Father, for them to know. Il appelait toujours père. He always called parce him father. Parce que le mot père veut dire source. Because the name father means source. Et lui était la ressource. And he was the resource. Quand il disait père, when he said father, le père libérait la source. The father released et les ressourçait. And resourced them. Mais à la croix, but at the cross, comme il est devenu péché, since he became sin, il ne peut plus invoquer sa source. He could no longer call il ne peut plus dire père. He could no longer say parce father. Que le père ne peut plus le voir. Because the father no longer c'est saw pour cela qu'il a dit si tu n'écoutes même pas comme père. That's why he said even if you don't listen to me as a father. Écoute-moi même comme mon Dieu. Listen to parce me que tu es le God. Dieu même des pécheurs. Because you are the God even of sinners. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken me? Et c'est un psaume. And in Psalm, je crois 22. I believe 22. Où le psalmiste disait. When the singer was saying. J'écris les jours. Et je crie la nuit. I cry at night and I cry in the day. C'est pour cela à la croix. That's why on the cross. Il y a eu des temps. There were two times. Il y a eu le jour. There was the day. Et il y a eu aussi sombre la and nuit. And there also darkness pour at night. Pour accomplir le psaume 22. Mon Dieu. 22. My God. Mon Dieu. My God. Pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken en ce moment-là. At that time. Le ciel est dans le silence absolu. The heavens was aucun in total ange silence. Ne peut chanter. No angel sang. Le Père. The Father. A son fils en train de saw souffrir. His son suffering. Pour l'humanité. For humanity. On ne peut pas te forcer de venir adorer Jésus. Nobody can force sinon, you and pas, worship tu Jesus. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Because if you don't, it means you don't know what he did for you. Je l'adorerai jusqu'au dernier jour I de ma vie. I will worship him till my last breath. Le jour où je mourrai, que les gens ne pleurent pas. On the day I died, nobody should cry. Un prédicateur célèbre pour prêcher Jésus. Let a preacher stand and preach Jesus. Et célébrer Dieu. And celebrate God. Parce que j'irai dans une destination. Because I'll go to a destination. Sûre éternelle. That is eternally for sure. Quelqu'un a payé pour moi. Somebody paid for me. Et en ce moment-là, and at that time, lorsqu'il dit mon Dieu, when he said my God, mon Dieu, pourquoi m'as-tu my abandonné? God, why have you forsaken me? Lui, il est sorti de la présence de Dieu. He got out of God's presence. Il prend maintenant Adam du jardin. Now he took Adam of the garden. Il l'amène maintenant dans la présence de Dieu. And brought him into the presence lui, of God. Lui, il était déconnecté. He was disconnected. Et il commence à nous reconnecter avec Dieu. And he started reconnecting us to God. Il sort. He got out. Pour que nous entrons. For us to come in. Et quand il arrive là, and when là à la croix. He got at the cross. Lorsqu'il a tout, lorsqu'il arrive à la croix. When he got to the cross. Il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Said my God, why have you forsaken me? Et la Bible dit. The Bible says. Il poussa un grand cri. He shouted a loud cry. Et il dit. And he said. Tout. All. Est accompli. Is done. Tout est accompli. All is done. Tout. Oh, est accompli. Is done. Je pensais que tu allais acclamer. I thought you were going to ton put your mariage est accompli. Your marriage is ton done. Élargissement est accompli. Your enlargement is done. Tes enfants sont your children accomplis. Are done. Ta santé est accomplie. Your health is done. Tout est accompli. All is done. Lorsqu'on parle de tout, c'est tout. When they say all is est-ce all. Que je déclare sur toi? Now declare upon tu ne mourras pas avant you le won't temps. Die in early. Je dis que l'accident ne te tuera accidents pas. Won't kill tu you. Ne mourras pas dans l'avion. You won't die in the plane. Tu ne mourras pas de la maladie. You won't die by le diabète ne te tuera pas. Diabetes won't kill les maladies de cœur ne te tueras heart pas. Disease won't kill je dis que tu vivras. That you will live. Je parle ici. I speak here. Comme Jésus est mort pour toi. Since Jesus died tu for vas you, vivre. You will live. Et tu vivras longtemps. And you will live long. Si tu meurs jeune, if you die young, tu mourras à 90 you ans. Die when you're tu vas vivre years longtemps. You will live long. À 100 ans, tu seras debout. You'll be à 100 ans, tu seras debout. Tu old. Vas vivre en bonne santé. You will live je in good le proclame health. Et je déclare. I proclaim it and I declare. La mort a été vaincue. Death was overcome. La maladie a été vaincue. Sickness was overcome. Si tu es venu malade, if you came here sick, reçois la guérison. Receive healing. Je maudis la maladie. I've cursed jusqu'à illness. Sa racine. Up to this au nom de Jésus. In the name of Jesus. Comme il est écrit. Tout a été accompli. Everything was done. Je dis que tout est accompli. All is done in your life. Tout est accompli. All is done in your life. Si tu le crois, reçois cela. Believe it and you si receive tu crois, reçois cela. You believe it si and you crois, receive recevez cela. You believe it and
you receive it. Au nom de. In the name of Jesus. Amen. Cette fois, comment? Amen. 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 Aïe, da 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 ba sonna. Qui est en train d'acclamer ici? Qui est en train d'acclamer l'œuvre de la croix? Who is putting their hands together for the work of the cross? Qui est en train d'acclamer? Who is clapping their hands for the work of the cross? Qui est en train d'acclamer l'œuvre de la croix? You are putting your hands together for the work of the cross. Tout est accompli. All is done. Tetelestai. Tetelestai. Le mot tout accompli, c'est tetelestai. The word all is done is tetelestai. C'est pas Jésus qui a commencé à dire tout est accompli. Jesus was not the first to say all c'est is done. C'est un mot ancien. It was an ancient word. À l'époque des Grecs. At the time of the Greeks. Lorsque un médecin réussissait une opération. When a doctor succeeded in a surgery. Lorsque un peintre faisait son tableau. When a painter painted something. Et si c'était magnifique. And if it was marvelous. Lui-même il regardait, il disait. Themselves they would look at it and say. Wow. Yeah. Tetelestai. Tetelestai. Magnifique. Beautiful. Et Jésus quand il a regardé son œuvre. And when Jesus looked at his work. Là à la croix. On the cross. Lui-même il a dit wow. Himself he said wow. Tetelestai. Tetelestai. Ce travail est parfait. This work is perfect. J'ai tout fait pour le Père. I've done it all for the Father. C'est accompli. I've accomplished. Même le plus gros péché. Even the greatest sin. Il peut être sauvé dans cette œuvre. Can be saved in même this work. Même s'il est homosexuel. Even if he's a homosexual. Cette œuvre peut le sauver. This work can save him. Il a regardé son œuvre. He looked at his work. Lui-même il a dit tetelestai. C'est parfait. It is perfect. C'est parfait pour l'œuvre. It is perfect, my c'est work. Pour cela. That's why. On ne peut rien ajouter sur l'œuvre de Jésus. You cannot add anything on top of God, Jesus' works. Même les offrandes. Even offerings. Ce ne sont pas plus que l'œuvre de la croix. We never go beyond nous le faisons the work of the par cross. Amour. We do it for love. Par reconnaissance. For gratefulness. Mais l'œuvre de la croix. But the work of the cross. C'est l'œuvre la plus parfaite. It is the most perfect work there is. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dans cette église? La meilleure partie de ma prédication, the je l'ai pas encore dit. My preaching, ça c'était l'introduction. This was just introduction. La meilleure partie de ma prédication, the best part of my preaching, les 10 minutes qui me restent, les 12. In the 12 minutes I have left. Parce que quand Jésus meurt à la croix, when Jesus dies on the cross, Confucius aussi est mort. Confucius died. Bouddha aussi était mort. Buddha died. Tous les prophètes des religions sont morts aussi. All prophets in religions died too. Ben alors si vous nous dites que votre Seigneur est mort. Now if you tell us that your Lord died. Alors qu'est-ce qu'il a accompli de grave? What has he done that is serious? Tous les prophètes sont morts. All prophets have Moïse died. Moïse est mort, Élie est mort. Moses died, Elijah died. Krishna est mort, Mohammed est mort. Mohammed died. Et tous sont morts. All of them died. Alors qu'est-ce que vous voulez faire de grave? What's par so, la mort de votre Seigneur. What's so special about the death of your Lord? Il devait faire quelque chose. You have to do something. Que tous les prophètes, that all prophets, tous les philosophes, and all the n'ont pas pu faire avant. Philosophes could not do before. C'est de mourir. Is dying. Et ressusciter. Coming back to life. Il a dit, je vais leur montrer. He said, I'll show them. Que je suis le Seigneur. That I am the Lord. Des seigneurs. Of lords. Quelqu'un me dit, amen bien. Amen. Quand Jésus est venu, when Jesus came, il a changé tout. He changed everything. Même si vous ne croyez pas en lui, even if you don't believe que vous soyez bouddhiste, whether you are vous Buddhist, soyez musulman, whether you are vous soyez des mages, de Fomai, vous soyez faith, qui que vous soyez, whoever you are, lorsque vous parlerez de l'histoire, when you speak about vous direz, you'll say, soit 622 avant Jésus-Christ ou 343 après Jésus-Christ. You'll say, this year before Christ, il this year after Christ. Référence du monde. He became the reference in the world. On ne peut pas parler de l'histoire. Nobody can speak about si history. Si on ne dit pas soit avant lui, soit après. If you don't mention before Christ or after Christ. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur, il est mort. Now the Lord died. Mais il avait promis. But he had promised. Parce qu'il était dans le monde. When he was in the world. Satan lui avait dit. Satan told him. Adore-moi. Worship me. Si tu m'adores. If you do. Je te donnerai I will give you ce pouvoir this power, car cela m'a été donné. Because it was given to me. Jésus n'a rien dit. Jesus said nothing. Il n'a pas dit à Satan, tu mens. He didn't say to Satan, you're lying. Parce que ce n'est pas Dieu qui a donné. Because God did not give à Satan ce pouvoir. To Satan that power. C'est Adam, it is Adam qui a donné that gave dans le jardin. In the garden. Il a commis le péché, il a remis l'autorité de la domination de la terre à when he committed his sin, he gave the dominion and the power to Satan. Et Jésus savait. And Jesus knew. Le but marqué à l'extérieur. When you score outside.
compte. In the opposite camp, it counts 2 points. Dit à Satan, il y a pas de problème. He said to Satan, okay. Je sais où je vais récupérer cela. I know how I will recover this. Quand il est mort, when he died, il est allé dans les séjours de mort. He got into the dead. Il a poursuivi le diable là-bas dans les séjours. He went to the Hades. In pursuit of the devil. Là-bas. In pursuit of the devil. Il est parti faire deux choses. He went to do 2 things in the Hades. La première des choses. First thing. La Bible dit c'est Satan qui détenait la clé de la mort. Satan kept the key of the Hades. Il va d'abord récupérer la clé de la mort. First he took the key of death from parce him. Parce que lui va établir la vie. Because he came to establish life. C'est pour cela la Bible dit. That's what the Bible says. Lorsqu'il a vu Jean. When he saw John. Il dit j'étais mort. He said I died. Et je suis ressuscité. And I came back to life. J'ai la clé. I have the key. De la mort. Of death. Et des séjours de mort. And of Hades. Il est parti prendre cela. He went to take it. La deuxième des choses. Second thing. Il est parti évangéliser sans les apôtres. He went to evangelize without the apostles. Jésus est allé prêcher. Jesus went to preach. Sans les apôtres. Without the apostles. Évangélisation seule. Evangelization alone. Dans les séjours de mort. In the Hades. Quelqu'un me dit mais comment ça? You say how come? Oui, il est allé dans les zones inférieures. He went into the deepest part sous of the la earth. Terre, il y a des zones inférieures. Under the earth there are some Ephésiens areas. 4, dit, mettons pour nous s'il vous plaît 1 Pierre 3 je crois 19. Mettez d'abord 1 Pierre 3 19. On va voir First ce que Peter Jésus 3, a fait. Rapidement 19. Il me reste 8 minutes. On va le faire très vite. Let's do it quickly. Hallelujah. Amen. Il va sécuriser notre vie. He secured our lives. Parce que la résurrection est une sécurité éternelle pour nous. Resurrection was a security for us eternally. 1 Pierre rapidement. First book of Peter. Chapitre 3 verset 19. Chapter 3 19. Écoutez ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. La Bible dit. The Bible says. Dans lequel? By which? Aussi il est allé prêcher. Also he went and preached. Aux esprits. Unto spirits. En prison. In prison. Il y avait des esprits qui sont morts avant qu'ils étaient en prison. There were spirits that died before that were in prison. Qui n'ont pas été sauvés par la loi. That were not saved by the law. À l'époque de Noé. At the times of Noah. Quand il va dans les séjours de mort. When he went into the Hades. Il va aussi le prêcher. He went to preach to them. Mettez pour nous le verset 20. Now put verse 20. Vous voyez qu'il y avait des esprits en prison. You see that there were spirits in prison. Et il montre ces esprits-là qui étaient en prison. And he shows to those spirits. Il dit qui autrefois avait été incrédule. Which sometimes were disobedient. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. When once the long suffering of God waited. Au jour de Noé. In the days of Noah. Pendant la construction de l'arche. While the ark was preparing. Il est parti prêcher toutes ces personnes-là. He went to preach all those people. Alors Pierre dans 1 Pierre 3 il ne le dit pas bien. In 1 Peter 3 doesn't say it well. Mais dans 1 Pierre 4 6. 1 Pierre 4, 6. Regardez comment First il Peter 4, 6. Ah, cet homme est merveilleux. Même les gens qui sont morts, il est parti les chercher là-bas. He went to look for them down there. Regardez. Car for l'évangile for this cause, the gospel a été aussi annoncé was also preached to them oh, that were oh, dead. Il est allé chercher les morts he went to look for the dead pour leur annoncer l'évangile. To preach the gospel to them. Il n'a pas seulement prêché aux vivants. He didn't preach only to the living. L'œuvre de la croix. The work of the cross. Lorsqu'il a fait pour les vivants. When he did it for the living. Il a dit je dois aller sur la terre. He said I have to go underground. Pourquoi il doit aller sur la terre? Why go underground? Parce qu'il devait être élevé. Because he was supposed to be lifted. Son nom devait être élevé. His name was supposed to be lifted. Sur la terre. On earth. Sous la terre. Under the earth. Et encore quelque part. And somewhere else. Au ciel. In heavens. Il a fini l'œuvre de la terre. He ended work on earth. Il est allé sous la terre. He went under the earth. Il a prêché les morts. Preached to the dead. Ceux qui avaient crié. Those who believed. Quelques-uns sont sortis avec lui. Some of them went up with him. Ephésiens 4, la Bible dit. Ephesians 4, the Bible says. Celui qui est monté. The one that went up. Avec les captifs. With the captives. Il était descendu. Once went down. Il est monté avec les captifs. He went up with the captives. C'est la Bible qui le dit. The Bible says it. Mais quand il est mort. But when he died. Pour la terre. For the earth. Il est allé sous la terre. He went underground. Il devait faire une dernière œuvre. He was supposed to do one last work. Pour que son nom soit élevé sous la terre. For his name to be lifted on earth, under the earth, and au ciel. In the heavens. Et la Bible dit. And Bible says. Dans Hébreux. In Hebrew. On n'a plus le temps pour le lire. We mais took je time vous to read it. Donnerai le verset. I'll don't give you the verse. Il a pris son sang. He took his blood. Il est monté avec dans le tabernacle céleste. Went up with it in the heavenly tabernacle. Pourquoi? Why? Parce que le péché because sin n'a pas commencé sur la terre avec Adam. Did not start on earth with Adam. Le péché a commencé avec Satan dans la rébellion au ciel. Sin started with Satan in rebellion in the heavens. And the Bible says il avait souillé he had defiled les ustensiles.
the tools du temple là-bas. Of the temples dans up there. Ézéchiel 28. In Ezekiel 28. Jésus devait prendre son sang. Jesus is supposed to take his pas blood. Pas seulement pour la terre. Not only for the earth. Pas seulement sous la terre. Not only under the earth. Et il monte avec ça au ciel. He went up with it in the heavens. Pour nettoyer la saleté que le diable avait fait au ciel. To cleanse the dirt that the devil had left in the heavens. C'est ainsi la Bible dit. That's how the Bible says. Que Dieu lui a donné un nom. That God gave him a name. Qui est souverainement élevé. That is sovereignly lifted. Sous la terre. On earth. Parce qu'il a sauvé des prisonniers. Because he saved the sur la terre. Parce qu'il a sauvé les hommes. Because he saved humans. Et au ciel. And in the heavens. Parce que par son sang. Because by his blood. Il a nettoyé les ustensiles he célestes. He cleansed all the heavenly ustensiles. Voilà ce que cet homme de 33 ans. This is what this young man of 33 years old a pu accomplir. Has accomplished. Mais une chose qui me dépasse. One thing that is beyond my understanding. Lorsqu'il est en train de mourir. When he's dying. Il dit à un homme à la croix. He says to a man on the cross. Au bon larron de la croix. To the thief on the cross. Il lui dit. He says to him. Aujourd'hui. Today. Tu seras avec moi. You'll be with me. Au paradis. In paradise. Vous connaissez le verset. You know the verse. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Today you'll be with me. Au paradis. In paradise. Alors. So. Jésus est mort. Jesus has died. Jésus est allé au paradis. Jesus went to paradise. Parce qu'il a promis cet homme aujourd'hui. Because he promised that man saying today. Nous serons au paradis. Together we'll be in paradise. Alors, nous savons tous quand Jésus est mort. Now we all know that when Jesus died. Il n'est pas allé au ciel. He didn't go to heavens. La Bible dit qu'il est allé en prison. The Bible said that he went in prison. Sous la terre. On the ground. Mais il a dit à cet homme. But he said to that man. Que nous irons au paradis tous aujourd'hui. We will go to paradise together today. Mais la mort ne dit pas qu'il est monté au paradis. La Bible n'a pas dit qu'il est monté au paradis. The Bible doesn't say that he went to paradise. Tous les versets. All verses say that when he died, il est parti annoncer l'évangile aux morts. He went to preach the gospel to the dead. La Bible dit qu'il est allé annoncer aux esprits qui étaient en prison. He went to speak to the spirits in prison. Mais maintenant cet homme-là, now that man, que le Seigneur avait promis, that the Lord had promised, aujourd'hui, that today, toi et moi nous serons you and I will be in paradise. Quel était son cas? What was his status? Jésus après sa mort, il n'est pas monté au ciel. After Jesus died, he didn't go to heavens. Souvenez-vous de cette femme qui voulait l'embrasser. Remember this woman that wanted to hug him. Jésus lui a dit, ne me touche pas. Jesus said, don't touch me. Pourquoi? Why? Je ne suis pas encore monté auprès de mon père et votre yet, père. I have not yet gone to my father or your father. Ah, donc quand le Seigneur est mort. So when the Lord died. Il n'était pas encore monté. He had not gone up. Bon, cet homme qui l'a promis le paradis. He promised paradise to a man. Quel était son cas? What was his status? Le Seigneur l'a menti? The Lord lied to him? Où le Seigneur est allé avec lui au paradis. Or did the Lord take him to paradise? Et si le Seigneur est allé avec lui if au paradis. He took him to paradise. Le paradis était où? Where was the paradise then? Parce qu'il n'était pas encore monté. Because he didn't go up yet. Mais il avait dit à cet homme aujourd'hui. But he said to that man today. Nous gardons cela pour shift. Let's keep it for shift. My God. My God. La réponse sera donnée à la conférence shift. Nous acclamons le Seigneur. We'll nous célébrons le roi des rois. Let's celebrate the King of Kings. Celui qui est mort. The one who died. Il est ressuscité. And rose again. Il a repris la clé de la mort. He took the death, the key of et death. Et le séjour de mort. And the Hades. Il est venu te donner la vie. He went to come to give you life. Nous donner l'extension. Give us expansion. L'élargissement. Give us enlargement. En nous donnant la vie. By giving us life. Et cette vie en abondance. And life in abundance. Toi et moi nous vivrons. You and I are living. Parce que le prix a été payé. Because the price has been dans paid. La totalité. In totality. Tout a été payé. Everything was paid. Il a payé cash. He paid cash. Il a payé rubis sur l'ongle. He paid. Il a tout payé. He paid it all. Pour que nous soyons. For us to be. Bénis. Blessed. Et que nous vivons. And that we may experience. La vie de Dieu dans nos corps. God's life in our bodies. Et si je vis. And if I live. L'ennemi a été vaincu. The enemy was overcome. There is power in the name of Jesus. Est-ce qu'on peut chanter? Quelqu'un peut chanter pour nous? There is power. Chante si tu connais, même en français. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. There is power. Chante mon ami. C'est le jour du Seigneur. Si tu connais la chanson, chante. To break every chain. Brise les chaînes. Seigneur, brise les chaînes. Brise toutes les chaînes. To break every chain. Yes. Break every chain. Break every chain. Oh.
personnes. The Lord blessed 14 et en train de briser les chaînes. And breaking the chains. Libérer 14 familles. Releasing 14 et le Seigneur families. Me dit clairement. And the Lord says to me après clearly, ce moment, after this ces moment, 14 familles these 14 families vont entrer dans une gloire terrible. Will get into a pendant high que glory. Nous allons commencer à chanter, while we'll be singing, la puissance de l'Esprit Saint the power of the Holy Spirit descendra sur ces 14 personnes. Will come down on elles seront secouées sérieusement. And they will be shaken et leurs histoires changeront and totalement. Their story will change forever. On y va, come on! Pour briser les chaînes, yes. Briser les chaînes, briser les changer leur histoire. God is changing the story. Au moment où je parle, while I'm speaking, l'Esprit du Seigneur the Spirit of the Lord va toucher quelques personnes will touch a few people, comme des échantillons like samples de ces 14 familles. Of those 14 families. La puissance de Dieu viendra sur vous. Élevez légèrement les deux mains. Et les protocoles vont nous aider. Raise both your hands and je vois la puissance de Dieu. I see the power of God. Elle est en train de venir sur 5 personnes. Coming upon 5 people. Ces 5 personnes those 5 people sont en train d'être secouées. Are being shaken. Je vois comme une porte I see like a door qui était en fer that was in iron qu'on vient de briser. That it just broke. Et je vois ces 5 personnes entrer. And those 5 people coming Dieu in. Est en train de vous donner God is giving you l'élargissement, enlargement, l'ouverture. Openings. Vous êtes à 5. Élevez les deux mains. Five people, raise et laissez your hands. Le Saint-Esprit faire le travail. And let the Holy le Spirit Saint-Esprit at work. Est là. Moi, non. Yes. Quand il descend. Quand il descend. Oui, protocole, aidez-moi. Ah, il y a cinq personnes. Il y a Dieu va toucher maintenant. Entre ciel et terre. Come on. Quand il descend. Yes. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel quand il descend. Quand il descend, nous tout s'arrête. Il est là. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Entre ciel et terre, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de il est là pour sauver. Il est là pour changer. Il est là
pour guérir. Les maladies sont fuies. Les affaires sont guéries. Les paralysies sont de toi. Et à recevoir le baptême de l'Esprit Saint. And you receive the baptism of the Holy Spirit. Saint-Esprit, merci de travailler. Holy Spirit, thank you for being at work. Jésus est ressuscité. Jesus is le Saint-Esprit risen. Est donné. The Holy Spirit has been given. Toutes les langues soient déliées. All tongues must be unbound. Et celles qui ne parlent pas en langue, those who don't speak in tongues, que tu leur accordes le baptême de l'Esprit Saint. Grant them the baptism of the Holy Spirit. Ceux qui sont venus malades, those who came sick, soient immédiatement, totalement et pour toujours guéris. Be healed forever. Au nom de Jésus de Nazareth, the name of Jesus of Nazareth, les familles qui sont sous l'ombre de la mort, families that are under the shadow of death, oh Seigneur, restons calmes. Let's remain quiet. Je vis dans mon esprit, so in my spirit, une personne qu'on est en train de tirer de la mort. A person they are taking out of death. Il y a un esprit de mort qui vient d'être identifié maintenant. A spirit of death has been identified now. Le Saint-Esprit va le faire. The Holy Spirit will do it. Je vois une personne. I see a person. Depuis pratiquement plusieurs jours, since many days now, tu es en train de faire de rêves de mort. You are having death dreams. Le Saint-Esprit vient d'identifier cet esprit de mort. The Holy Spirit just identified that spirit of death. Au moment où nous sommes en train de parler, while we're speaking, cet esprit de mort va fuir, that spirit of death will va run te quitter. Out and leave you. Je commande à cet esprit, I command that spirit. Esprit de mort, spirit of death, c'est sur une femme. It is upon a woman. Je te commande, I order you, de partir maintenant. To leave now. Lâche la vie de cette femme. Let her life go. Lâche la vie de cette sœur. Let her life go. Lâche la vie de cette sœur. Let her life go. Quitte son corps. Leave her body. Quitte sa vie. Leave her life. Maintenant. Now. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Esprit de mort, je te commande. Spirit of death, I command you.
Protocole, venez dans cette rangée, en face de moi. Ashes, come in this. Allez-y rapidement. Alley. Go quickly. Il y a l'esprit de mort ici qui est en train de partir. A spirit of death here that is leaving. Restez ici devant. Remain here. Remain here. Restez in front. Devant moi ici. Remain in front. Toutes les personnes qui sont ici, élevez les deux mains. All the people here, raise your hands. Il a été identifié cet esprit. It has been identified. Sors! Quitte son corps au nom de Jésus. Leave her body now. Je te commande. I command you. De partir. To leave. Soyez derrière cette dame. Be behind her. Afisha, oui, elle. Tenez-la bien. Tenez-la maman bien. Viens avec elle. Come with her. Venez avec la femme aussi, venez. Toi aussi viens. Je te vois en train de faire des rêves de mort. Viens. I see you having death dreams. Come. Faites-le rapidement. On n'a plus assez de temps. Let's do it quickly. We don't have time. Tarandia soto baradia. Esprit de mort, lâche ta présence. Go. Partout il y a l'esprit de mort. Wherever there's a spirit of death. Go. Esprit de mort. Lâche la vie de cette femme. Tenez-la bien. Jesus. Partout il y a l'esprit de mort. Wherever there's a spirit of death. Commandons à cet esprit. We order that spirit. De quitter les filles et les femmes. To leave loves and families. Personne ne mourra dans cette église. Nobody will die in this church. Nous n'enterrerons personne dans cette église. We won't bury anyone in this church. Nous refusons cela. We refuse that. Au nom de Jésus de Nazareth. Of Jesus of Nazareth. Lève les mains, présente ta famille devant Dieu. Raise your hands and present your tu family before God. Tu as fini les 40 God. Jours, présente ta famille devant You've Dieu. You finished the 40 days, present your family before God. Père d'amour, tu es tout puissant. Father of love and Almighty God. Puisque nous sommes en train de commémorer la Pâque. Since we are celebrating the Passover. Aucune puissance maléfique ne peut nous résister. No evil power aucune can maladie resist ne peut résister devant no toi. No disease can resist before you. Libère de famille. Release brise families. Les jougs. Break burdens. Ôte les fardeaux. Remove our que burdens. Que nous rentrons légers. Let us que nous rentrons libérés totalement et complètement. Let us be free completely. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus. Et nous avons tous prié. We have all prayed. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. We put our hands together for the Lord. The time is off. Tu peux bien acclamer Jésus. Can you put our hands together well for Jesus? Sous cette acclamation, under this clapping, nous allons répondre toutes les offrandes. De 40 000 francs et de 70 dollars. We will welcome all offerings of 40,000 francs and 70 dollars. Venez avec rapidement. Come with them quickly. Venez déposer rapidement. Venez come with them quickly. Come with sur them l'autel. Quickly. Tu avais pris pour 70 dollars 40 000 francs. On the altar, you took an envelope of 70 dollars or 40,000 francs. Nous proclamons l'élargissement sur tout le monde. We proclaim enlargement upon l'élargissement. Everyone. Enlargement. L'élargissement sur tout le monde. Enlargement upon everyone. L'élargissement sur tout le monde. Enlargement upon everyone. L'élargissement sur tout le monde. Enlargement upon everyone. Quand tu viens, j'espère que tu as écrit élargissement. I believe you wrote enlargement on your envelope. Si tu n'avais pas pris l'enveloppe, tu n'étais pas là la semaine. You had not taken your envelope and you were not soit there. Soit tu mets 40 000 francs, soit tu mets 70 dollars. Either you bring 40,000 francs or 70 dollars. Et ça soit pour toi l'élargissement. Let it be for you enlargement. L'élargissement dans tes affaires. Enlargement in your business. L'élargissement dans tes études. Enlargement in your studies. L'élargissement dans ta famille. Enlargement in your family. Nous proclamons l'élargissement. We proclaim enlargement. Dans tous les domaines et dans tous les sens. In all areas, in all senses. Faites-le rapidement, comme papa l'a dit. Like papa said it. Tout ce qui est de 40 jours terminé, c'est là dans le 40 jours. Whatever it pertains to the 40 ne days should remain in the 40 tard, days. Si tu n'étais pas là. Don't bring it later if et que not tu es there. Une femme de foi. And that you have faith. Saisis cette opportunité, take venez donner, to come. Déposer, and put tout it. Ce que le Seigneur te met à cœur de le faire, venez le faire directement. What the Lord put in your heart, do it quickly. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. We are celebrating the Passover. Célébrer le Seigneur. And celebrating the Lord. Que Dieu nous bénisse abondamment. God bless you. Bless nous us courons, abundantly. Nous courons, nous venons les déposer. Let's come quickly. Que le Seigneur nous bénisse. And the Lord bless us. L'élargissement 2024. Bien acclamer le Seigneur. Est-ce que on peut bien acclamer le Seigneur? Can we put our hands together for the Lord? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Can you put your hands together for God?
Je t'attends. Je t'attends. I'm waiting for you. Pour que tu acclames. I want you to clap le your Seigneur. Hands for the Lord. Merci. Thank you. Maintenant, si tu n'as pas tu n'as pas déposé. Si tu n'as pas donné ton offrande. If you have not given your offering. De la fin de nos 40 jours. For the end of our 40 days. Je te prie. I ask you. De venir le déposer à la chair. Come and put it on the altar. Viens le déposer à la chair. Come and put it on the altar. Rapidement. Quickly. Si tu ne l'as pas fait, fais-le. If you have not done it, do it. Si tu ne l'as pas fait au début, if you have not done it at the beginning, fais-le. Do it now. Fais-le. Do it now. Tu déposes à la chair. Put it on the altar. Fais-le. Do it. Sous le son de la musique, under the sound of music, nous allons bénir l'homme de Dieu. We will bless the man of God. Il nous a parlé du fond de son cœur. He spoke to us from the bottom of his heart. Il s'est libéré totalement. He released it all. Et cette semaine, il nous a profondément béni. And this week he profoundly blessed us. C'est à nous maintenant de le bénir. Now it is our turn to bless him. Sous le son de la musique. Under the sound of music. Si tu n'as pas d'enveloppe, if you don't have an envelope, le service est là. Ashes are there. Il peut t'aider. They will help you have one. Rapidement. Quickly. Nous venons bénir l'orateur dans les cagnottes. De sellage. We come bless the speaker with the basket at the end that we serve to Sele. Oh, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur. C'est ta faveur. Qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Yahweh Nae, kompesa yoke mo, kota chola, bolingo na yo ponanga, bolamu na yo, emembina awa, soki yote, de nambe bakala. Li solo amo se ma kupa papa eh awe kupa papa eh na ligina yo ma kupa papa eh awe kupa papa eh yo mali solo amo se ma solo te ma kupa papa eh kupa mana no wa eh awe papa eh yo mali solo amo se ma solo amo te ma kupa papa eh kupa mana no wa eh awe kupa papa eh yesu aswa mambo mwana mambo mwana aswa papa eh Hey, Yahweh, Yahweh, Mama,
solo ya bomoi na ngae dembi na zebo li solo ya bomoi na ma dembi na zebo tango mi pepe peba ngo te aki na bomoi na ma ya yesu aki taki ye na katwena bana katwena bana kumama mama kumama nano huwa Mama, papa, et au paiement de nos dîmes. Si vous avez votre dîme, déposez dans la cagnotte du milieu. C'est ta faveur qui rend les rêves notre fort. Quand l'éternel est notre qui est, c'est ta faveur. Mama, papa, mama,
Jésus de Nazareth, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que tous ensemble, nous pouvons dire merci au prophète en se tenant debout et en acclamant très fort? Célébrer maintenant la Sainte-Seine. J'invite à tous les anciens et aux prophètes et à l'apôtre d'entourer la table du Seigneur. Été baptisé hier, qu'il puisse se tenir debout et nous voulons vous accueillir. Soyez le bienvenu à la table du Seigneur. La première chose que vous allez faire, nous tous qui avons été baptisés dans l'eau profonde, la Sainte-Sainte s'est présentée de cette manière.
y a une petite coupe avec le premier film. Vous enlevez cela, ça sera les films du pain. Et le second, vous enlevez pour le vin. Si vous ne savez pas, demandez à votre voisin, il va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à la table du Seigneur. Oui, chantons Anna. Oh,
tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Moi je lève mon main vers le ciel, je te donne mon corps, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos. Quand je lève ma main vers le ciel, Seigneur, pour son corps et son sang. Nous allons tous le remercier. Tiens-toi debout et remercie le Seigneur. Merci le Seigneur. Avec le message
qu'on nous a donné, nous ne pouvons que remercier le Seigneur de tout le sacrifice, de tout ce qu'il a enduré pour que nous ayons la vie. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. De notre Seigneur Jésus, nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je disais gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'histoire de ce monde, plusieurs hommes, plusieurs noms ont été cités comme étant des dieux, des grands prophètes. Mais cependant, après leur mort, leur histoire s'est effacée. Mais toi et moi, ce matin, nous avons choisi la bonne part, de croire à la bonne nouvelle, celle du Christ ressuscité. Alors si tu penses que celui qui vit en toi est mort, et après 3 jours à ressusciter, lève-toi de partout où tu es. Célèbre ce don de la vie abondante que tu portes en toi. Car notre Dieu n'est plus à la tombe. Jésus est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Afin que toi et moi, que nous ayons la vie. Non seulement la vie, mais la vie en abondance. Oui, nous sommes bénis. Nous sommes privilégiés. De ceux que le Seigneur a choisi et a mis à part. Que la gloire lui soit rendue. 40 jours de jeûne et de prière qui s'achèvent par la Pâque, c'est une bénédiction. C'est une immense bénédiction. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. C'est une bénédiction. Quelle manière de clôturer ce 40 jours en beauté et en force. Alors, nous n'allons pas avancer sans pour autant faire ce que nous faisons de coutume. Adresser quelques mots à l'orateur qui nous a bénis pendant cette semaine. Cher prophète, mandaté par toute l'Église du plein évangile Rama Lubumbashi, trouvez entre ces quelques lignes l'expression de notre gratitude pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ accomplie dans nos vies au travers de votre ministère. Certes, l'élargissement, mais encore mieux, un élargissement intégral qui transcende le spirituel pour être visible et palpable. L'élargissement du mindset, libéré de la pauvreté mentale. Un élargissement social qui nous place aux côtés des hommes bénédiction. Un élargissement physique qui nous met au large des maladies démoniaques. Oui, toutes ces révélations, afin de conduire le peuple de Dieu vers et dans le plan du Créateur pour nos vies. Des vies glorieuses, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement et matériellement. Oui, un élargissement intégral, mais mieux encore, comment le vivre, le maintenir par différents secrets révélés lors de vos enseignements cette semaine. Oui, nous avons été enseignés, éclairés, équipés et bénis par le don de Dieu que vous êtes. Alors la prière qui se lève de nos cœurs ce matin est qu'en ce jour où nous célébrons le Christ ressuscité, que le Seigneur vous comble d'abondante vie et de grâce. Que la vie du ressuscité fasse déborder la coupe de votre ministère. Vous êtes une immense bénédiction pour Rama et toutes les nations. Nous restons sur notre soif pour la suite.
de ce que Dieu a prévu pour son peuple au travers de votre ministère. Alors Rama, comme nous le faisons d'habitude, avec la force de ceux qui croient en un Dieu ressuscité, nous allons nous lever de partout où nous sommes afin de pouvoir apprécier l'homme de Dieu qui nous a bénis durant toute cette semaine. Et ce jour de Pâques, nous célébrons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Abondamment béni, et je pense que la semence qui a été sémée dans nos cœurs ne restera pas stérile, elle portera des fruits. Oui, elle portera des fruits. Je pensais que tu allais encore célébrer, que tu sois encore ce témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ pour ce monde, que la gloire lui soit rendue. Alors, comme le prophète nous l'a annoncé, la suite c'est pour Shift. Alors, si tu veux connaître cette suite, ce mystère qui n'a pas été révélé aujourd'hui, rendez-vous le 23 de ce mois, du mois d'avril. Du 23 au 28, nous sommes là pour découvrir les mystères qui n'ont pas été révélés aujourd'hui. Alors, si c'est pour la première fois que vous nous avez joints ce dimanche, nous sommes bénis et honorés de vous avoir parmi nous. De partout où vous êtes, nous vous prions de bien vouloir vous lever afin que nous puissions mieux vous recevoir. Vous avez peut-être été avec nous pendant la semaine. Nous n'avons pas eu le temps de mieux vous recevoir. Vous êtes dans la maison de votre Père, de partout où vous êtes. Nous vous prions de bien vous lever afin que nous puissions vous témoigner notre amour. Soyez le premier à vous lever. Vous êtes dans la maison de votre Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes bénis de vous avoir parmi nous ce dimanche. Bénis est la maison qui reçoit des visiteurs. Alors nous, Rama, Lubumbashi, nous nous considérons bénis de vous avoir reçus ce matin parmi nous. Alors, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Notre souhait et prière est que le siège que vous occupez demeure le vôtre, car vous êtes dans la maison de votre Père. À la fin du culte, vous allez vous déplacer de partout où vous êtes, vers cette rangée, pour un bref entretien avec l'ancien Léon Sompi. Alors, Karibou, welcome, Boyei Malamu, vous êtes dans la maison de votre Père et que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement passer au recap de la semaine média. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Karibou, welcome, bienvenue à l'Église de l'Évangile Rama Lubumbashi. Nous sommes bénis de vous avoir encore parmi nous ce matin. Et cette semaine, nous avons également été richement bénis par le ministère du prophète Jean-Claude de Charène. Nous avons parlé d'un aspect très important lié à l'élargissement de la vie d'un chrétien, qui est l'élargissement financier. Mais le prophète Jean-Claude nous a renseigné par ses enseignements que la pauvreté est une force destructrice qui détruit les vies et les destinées. Cette pauvreté peut se manifester de plusieurs manières. Celle-ci peut être mentale, lorsque le diable s'attaque à votre créativité, votre imagination. Lorsque le diable s'attaque aux révélations que vous avez de la part du Seigneur afin de pouvoir vous amener à votre élargissement. Cette pauvreté peut être également sociale. Lorsque le diable s'attaque aux relations, les relations qui peuvent vous amener à votre élargissement. Parmi les outils qui nous ont été donnés par le prophète, nous avons les offrandes. Les offrandes sont des actes très importants à poser afin de pouvoir vivre votre élargissement financier. Et vous avez quelques différents types. Offrandes, à savoir la dîme, les offrandes faites pendant les cultes, les offrandes faites aux pauvres, les offrandes faites aux prophètes après leur service, les offrandes également faites aux parents biologiques. C'est pourquoi il nous a aussi donné quelques éléments très importants par rapport à notre environnement. Il nous a dit qu'il fallait éviter certains environnements afin de pouvoir vivre notre élargissement. On parlait des trois choses très importantes à pouvoir appliquer afin de pouvoir conserver ce que nous avons reçu de notre élargissement. Il nous a aussi parlé du bien.
sommes appelés à chaque fois qu'il nous sent dans notre élargissement, à chaque fois que nous avançons avec le Seigneur, à chaque fois que nous vivons les prodiges du Seigneur, de pouvoir nous arrêter à un certain moment et de faire un bilan d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons. Oui, c'est un jour où nous avons été fortement bénis par différents orateurs qui se sont succédés afin de pouvoir nourrir, équiper et bénir le peuple de Dieu. La première semaine, nous avons été bénis par notre cher papa, le révérend pasteur Sébastien Fonou, qui nous a bénis, nous a encore fait rentrer dans la présence de Dieu, nous a introduit dans ses aventures de jeûne et prière par un puissant message qui a été en fait le thème sur lequel a gravité tous nos aventures. Alors, la deuxième semaine, nous avons été bénis par le pasteur Serge Marmont. Toujours pour cette deuxième semaine, nous avons été bénis par notre pasteur assistant, le pasteur Guillaume Camon. La troisième semaine n'a pas été la moindre, car nous avons été bénis par notre maman. Et la quatrième semaine, nous avons été bénis par le ministère de l'apôtre Patrick. Ils sont mis unis par l'un des fils de la maison, le prophète Sébastien Kiskuta. Cinquième semaine a été une semaine, oh mon Dieu, bénie par le prophète Ephraim. Oh, sous un atmosphère encore prophétique, nous avons été bénis par le ministère du prophète Jean Toto. 40 jours de jeûne et de prière, oui, équipés de tous ces outils de la révélation de la parole du Seigneur au travers du ministère de ses serviteurs, nous avons la ferme assurance que nos vies ne seront plus les mêmes. Nous avons la seule assurance que ce thème, qui a été le thème phare, l'élargissement, est un thème qui ne sera plus seulement sur nos lèvres, mais une réalité dans nos vies. Une réalité pour chaque enfant de Rama, une réalité pour tout celui qui a consacré son temps dans la présence du Seigneur, afin que ce limite, afin que l'espace de sa vie soit élargi. Alors nous avons la ferme assurance, dans ce début d'année 2024, pour notre Église, nous allons vivre l'élargissement sur tous les aspects de notre vie. Que le Dieu de notre Père, celui qui a donné à son serviteur cette vision, nous accompagne dans cet élargissement. C'était notre sœur Anna Jod, Brahmanius, que le Seigneur bénisse. La fin de nos 40 jours, mais comme papa l'a dit, c'est le début de notre année. Alors je te souhaite bonne année 2024. Nous allons commencer cette année avec comme fondation l'élargissement. Alors, quand tu commences élargi, on ne sait pas comment la fin de l'année va s'achever, parce que tout sera élargi. Nous allons prendre du territoire, nous allons prendre de l'espace, et cela par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons rapidement au programme de la semaine, du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30, matinée de vainqueurs. Notre prière matinale, nous venons dans la présence de Dieu pour consacrer nos journées. Demain lundi, qui est le premier lundi du mois, culte pour tous les serviteurs à partir de 17h juste. Pour tous les ouvriers, si vous servez dans quel que soit le département où vous ouvrez, à partir de 17h, nous avons notre culte et cela au sein de notre cathédrale. Et ce mercredi, vendredi et dimanche, nous serons dans la présence du Seigneur afin d'être bénis par le ministère de l'apôtre Jimmy Kalenga. Je pensais que tu allais célébrer le Seigneur pour cette semaine qui s'annonce glorieuse. Nous avons une annonce. La JPC annonce reprendre les activités sous un autre format après la conférence Shift, qui interviendra, comme nous le savons, à partir du 23 avril jusqu'au 28 avril. Les rendez-vous sont déjà pris, l'atmosphère est déjà établie. Nous n'attendons plus que tu fasses la vulgarisation de cette grande conférence qui commencera le 23 avril et qui s'achèvera le 28. Alors, le rendez-vous est déjà pris.
Je reprends, la JPC annonce qu'elle reprendra ses activités sous un autre format après la conférence Shift, précisément le premier samedi du mois de mai. La JPC reprendra ses activités le premier samedi du mois de mai. C'est signé Président Feli. Nous avons une présentation bébé ce matin. C'est un nouveau membre qui s'ajoute à notre assemblée. Nous sommes bénis de pouvoir encore compter une personne de plus au sein de notre grande famille. Le couple de mon ancien Yav Joseph. Je reprends. Le couple, pas de l'ancien, de mon ancien. Mon ancien Yav Joseph présente leur enfant Priel Metayav au Seigneur. Elle remercie le couple pastoral ainsi que l'assemblée pour toutes les prières et leur amour. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche de Pâques.